Comment ça? Tomber dans le trou? C'est le truc de la caméra de surveillance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, me dis pas que c'est lui. Attends, c'est quoi ça? Regarde ça. Mais non, on va pas aller là quand même. Salut, si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Oh là là, comme vous le savez, ça fait plusieurs semaines que l'homme à la capuche noire nous poursuit, sauf que bon, on sait pas trop ce qu'il veut, et il nous envoie des téléphones avec dedans des messages, des photos trop bizarres, mais bon, qu'est-ce qu'il veut à la fin? Et encore aujourd'hui, bah malheureusement, il est revenu avec un autre indice. Oh, j'en ai marre de ce confinement là. Pff, ça fait trop longtemps que ça dure. Toute la journée à jouer à la Switch là. Et Liros qui rentre même pas de l'école. Il va bientôt faire noir. Oh, je commence à avoir peur pour elle. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Ah, Esteban, Esteban, je me suis blessé la cheville. Ah bah enfin, c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore blessé? Mais pourquoi t'es pieds nus? T'es allé pieds nus à l'école ou quoi? Oh là 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 là, j'en ai marre hein, de toutes ces histoires. Et bah quand j'étais en sport, et bah madame valise, et bah quand elle nous a demandé de courir, et bah je suis tombée dans le trou. Comment ça? Tombée dans le trou? Et t'es tombée comme ça? Non mais je rêve, allez. N'importe quoi! Qu'est-ce qui s'est passé encore? Tu t'es disputé avec tes copines à la récréation, c'est ça? Hein? N'importe quoi! Je me dispute jamais avec mes copines! Bon, deux fois par jour, mais c'est pas beaucoup comparé à l'an dernier! De toute façon, il se passe toujours des trucs avec toi, tu te blesses toujours, je sais pas comment tu fais, mais regarde tes pieds là, ils sont pleins de bleu. Bah si t'es pas gentil, bah moi non plus je suis pas gentil. Bon, bah de toute façon je vais prévenir notre père. Ah, attends, qu'est-ce que c'est ça? Attends, punaise, c'est le truc de la caméra de surveillance. Liros, viens, on va regarder les images. Ça veut dire qu'il y a un truc bizarre qui est passé à côté de la maison. Quoi? Il y a quelqu'un de bizarre qui est passé devant chez nous? Montre! Regarde-moi ça. Et quelqu'un qui passe devant chez nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Non mais, je connais lui, je pense. Oh punaise, si c'est vraiment lui, c'est l'homme en noir, l'homme à la capuche noire, celui qui nous avait poursuivis, celui qui nous avait donné un téléphone hanté, tu te souviens? Oh non, me dis pas que c'est lui! Oh là 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 là. Eh? Bah, t'as plus mal à la cheville, c'est quoi ça encore? Non, en fait, j'ai inventé cette histoire parce que je voulais pas aller à l'école demain. Oh là là, je m'en doutais. Encore pour pas aller à l'école, comme si qu'on avait que ça à faire. Pour jouer à la Switch en plus. Ouais, de toute façon, là c'est plus le problème. On doit aller chercher ce gars. Je dois résoudre l'énigme, je dois résoudre le mystère. La dernière fois, on a trouvé un téléphone et... Et sur ce téléphone... Ouais, c'est clair. La dernière fois qu'on a trouvé un téléphone dans la rue, bah, ça s'est pas très bien passé. Il faut vraiment qu'on aille le chercher pour découvrir qui c'est cette personne. Parce que s'il prépare encore un mauvais coup, j'ai pas envie que ça se passe comme les dernières fois. Moi, il me fait pas peur là, avec sa capuche. Ouais, peut-être que toi, il te fait pas peur. Mais moi, il me fait quand même un petit peu peur. Même s'il est moche et qu'il a une bosse dans le dos même. Mais bon, même si c'est le confinement, là, on va devoir sortir. Et j'espère qu'on va pas se faire attraper par la police pour avoir fait ça. Mais bon, allez, il faut résoudre ce mystère et plus vite que ça. Bon, pour se cacher, hop, allez. On va se faire passer pour des gens qui livrent des colis. Ils doivent être chez eux à l'heure qu'il est. J'ai quelques indices à leur donner. Ils n'en ont pas fini avec moi. Bon bah voilà les amis, on est dans la rue. Oui. Donc là on part un peu en mode vlog pour pas longtemps. J'espère qu'on va vite rentrer chez nous. Mais visiblement il est pas là. Attends. Tu l'as vu là ou pas? Ouais, moi j'ai vu un truc noir. Attends, passer. Derrière le truc à vélo là, tu l'as vu ou pas? Ouais. Oh, il était là. Il était là. Punaise, il est plus là. Il est plus là du tout. Il a disparu comme par magie. Non mais c'est pas possible, franchement. Non, on va pas faire 50 000, on va pas se faire 50 000 endroits là. Mais oui. On va pas le poursuivre parce que ça tombe, c'est un piège. Ouais. Ça tombe, il attend qu'on le suive. Et en fait, une fois qu'on le suit, il nous amène dans un endroit bizarre comme la dernière fois, dans la forêt ou dans un truc comme ça. De toute façon, moi j'ai jamais peur de lui. Il est moche et tout là avec sa cape moche. Attends, c'est quoi ça? Liros, regarde. Attends, mais c'est un carnet. Un carnet. Montre. C'est bizarre que ça soit par terre. Attends, ouvre pas ça tout de suite. On va voir à l'intérieur. Ok. Ça tombe, il y a des indices. Punaise des amis, donc là on vient de trouver un carnet, je vous l'ai montré. Regardez. Bon, il n'y a rien sur la première page. Mais vite, il faut qu'on parte d'ici. Parce que ça tombe, c'est un piège en fait avec lui. Est-ce qu'il est là? Avec lui, tout peut être un piège. Oui. Allez vite, on rentre chez nous. Oh là là, j'espère que notre père est rentré. On va lui montrer ça l'indice. Bon allez. Alors. Allez Lily Rose, tu peux rentrer dans ta chambre.
aujourd'hui on va découvrir le mystère de la chambre. Allez, c'est parti. Bon, ce carnet là. Et oh mais oh, c'est tombé, qu'est-ce qui se passe? Punaise, c'était quoi ce bruit? Qu'est-ce qui est tombé? Punaise, c'est ça? Du verre? C'est trop étrange. Bon, c'est pas grave, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Oula, bon allez. Alors, que des pages vides, que des pages vides. Ah, c'est bon, regarde Lily Rose. Oh mais c'est trop bizarre. Vous n'avez pas le mystère, hein? 1 degré 3 4 5 6 tiré 7 8 4. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais taper ça sur la tablette. Attendez, j'espère qu'on va découvrir quelque chose d'intéressant. Regarde ce que j'ai découvert. Punaise, c'est pas possible. Regarde ça. Mais non, on va pas aller là quand même. C'est un endroit. Attends, je vais regarder plus précisément où c'est. Regarde. Ça pointe sur ce bâtiment, Lily Rose. On doit y aller. Esteban, Lily Rose, j'ai vu quelqu'un devant la maison. Esteban, Lily Rose, j'ai vu quelqu'un devant la maison là. C'était la même personne que la dernière fois. Il avait une cape noire. Ouais, voilà. Et du coup, ben, nous aussi on l'a vu, hein. Vu. Mais c'est pas grave. Il nous a. Regarde, je vais te montrer ce qu'il nous a. Il a voulu rentrer dans la maison. Oh là là là, vas-y, viens Lily Rose vite. On va lui montrer. On va lui montrer. Regarde. Regarde ce qu'on a trouvé. Regarde. Pas loin de chez nous. On l'a vu devant la maison. On est sorti. Il avait laissé ça sur son chemin. C'est bizarre. Là, j'en tremble de peur. Oh, regarde. Peur, juste un regarde, regarde. Et du coup, ça, on doit aller à un endroit à Lille. Et on doit aller à un endroit et tout. Regarde. On doit aller là. Ici. On doit aller là. Ici. Ah, je connais ce bâtiment. Je pense qu'il veut que vous y alliez. Il va vous piéger, j'en suis sûr et certain. C'est un bâtiment qui est très spécial. Il a été hanté parfois. Ah, comment c'est possible? Moi je veux plus cette histoire là. T'as bien employé le mot hanté. Ouais ouais, ces histoires de téléphone trouvé. Et même cette tablette. Au revoir. Mais pourquoi tu rigoles Esteban? Je trouve pas ça rigolo. C'est quoi? Comment il a pu se passer comme ça? Mais c'est incroyable. D'où ça vient ça Esteban? C'est toi? Le carnet? Vous n'avez pas le mystère? Moi ça. Oh, le mystère. Attends. L'inscription dans le carnet, elle s'est effacée. Non, c'est regarde, vrai déjà. Regardez, elle s'est effacée. Oh, comment c'est possible? C'est quoi ça encore? C'est pas grave. Oh, salut. Donc là, on est le lendemain. Bon, Lily Rose est à l'école, tout ça. Là, il est le matin. Je viens de me réveiller. Tout ça, il doit être 8h. Et là, il s'est passé un truc de fou. Donc, je me réveille, je passe devant la chambre de Lily Rose. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin pour tout comprendre, tout ça. Parce que là, il y a un message super important à vous faire passer. Donc là je passe devant le carnet, enfin je passe devant la chambre et là je vois le carnet qui s'ouvre tout seul et hier tout s'était effacé. Tout s'était effacé, tout ça on vous l'a dit, on n'arrivait plus à voir l'inscription, vous voyez il n'y a plus rien, tout ça, ce qu'on avait trouvé à l'intérieur. Et là il y a un nouveau message, Esteban vient au rendez-vous tout seul, 1, 2, 6, 11, 14. Donc je sais pas ce que ça veut dire ce message, je pense que c'est un nouveau lieu, donc franchement le mystère est pas fini. Et là j'ai entendu la caméra de surveillance sonner toute la nuit, et quand j'ai voulu regarder les images, voilà, le téléphone est totalement bloqué, on n'a plus de téléphone qui marche dans la maison, il n'y en a qu'un seul, c'est celui de Peppa Pink, mais il l'a pris au travail. Donc voilà, je vous laisse avec la suite, regardez-la bien parce qu'on vous donne plein d'indices, mais là même encore maintenant c'est assez bizarre. On ira dans un autre épisode parce que là, il faut cliquer sur une vidéo qui apparaît. À la prochaine, Bobou. Salut. Oui.